Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi je trouve ça bien. Moi je trouve c'est cool. Ouais. Moi je trouve, franchement, ça fait un moment que le cinéma de Vitrolles il était pas au top. Ouais, et que. Les films mettaient du temps à sortir. On peut enfin concurrencer avec celui de Pathé. Là. Ouais, celui de Pathé, ça nous évite d'aller loin. En plus, c'est à côté de la maison pour certains. Je pense que les tarifs ils sont. C'est même moins cher. Ouais, voilà, les tarifs sont moins chers. Sur internet. Donc, moi franchement, ça me plaît bien. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, ouais, c'est vrai que ça permet aux. Par exemple, à des jeunes de 14-15 ans d'avoir accès à. 18 ans. Ouais, d'abord, je vais aller, gros. Parce que souvent c'est compliqué de prendre le bus et tout pour aller à Plan, pour regarder des films qui viennent de sortir. Je pense qu'aussi ça amène un dynamisme à Vitrolles parce que c'est un peu une ville morte. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Après, moi je dis franchement, cinéma, faut qu'il fasse taffer les gens de nous, de Vitrolles en fait. Parce que si c'est pour vous faire taffer les gens d'à côté, c'est. Moi je dis que pour le cinéma, faut en priorité qu'il fasse travailler. Les jeunes de Vitrolles, tu as vu, ouais, les jeunes, pas que les jeunes aussi, les mecs de Vitrolles et tout. Franchement, je me sentirais pas, tiens, un cinéma à côté, ça peut faire un taf d'été ou quoi pour des jeunes et tout. J'ai pas envie de me faire, perso, j'ai pas envie de me faire piquer la place par un gars que... C'est à côté, tu peux travailler c'est juste à côté. Côté, tu peux travailler c'est le à matin, côté. Tu te lèves, c'est juste derrière chez nous, genre le matin, tu te lèves, c'est comme si tu partais à l'école, tu prends même pas la voiture et tout, tu vas à pied, c'est juste derrière. Après, c'est ça le truc, c'est qu'il nous fasse travailler après. Moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça reste dans la politique du PS. En gros, c'est de mettre en place une égalité des chances au niveau de la culture. Parce que s'il y a tous les jeunes qui ont accès à une grande bibliothèque avec beaucoup de, par exemple, des films, des jeux vidéo ou des trucs comme ça, ça permet à des jeunes qui sont pas souvent qui habitent pas dans des quartiers aisés et qui n'ont pas accès à toutes ces cultures facilement, de la mettre à disposition. Alors franchement, je te dis la vérité, je vais un peu rompre ton truc, mais ça reste à voir. Pour moi, ça reste à voir. Ça reste à voir parce que la bibliothèque, elle est quand même là. Il y a quand même deux bibliothèques. Il y en a une, au centre-ville. Oui, mais au niveau du contenu, c'est limité. Ça va moi, je trouve que c'est pas limité parce que... C'est des petites bibliothèques. Certes, c'est des petites bibliothèques, et mais elles mettent en place des moyens de demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a tous les tu peux aller demander, tu peux dire oui, je veux tel truc, oui, tel truc. Après, il faut que ça intéresse les jeunes. Ça reste moi, quand je vais là-bas. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, la grande bibliothèque qui va ouvrir, ils vont déjà à la base mettre beaucoup de choix. Faut pas oublier, alors que, ça va être ouais, une médiathèque. Il y aura beaucoup de choix. Juste un argument. À mon avis, il y aura des trucs qui se passeront à l'intérieur. Par exemple, je sais pas, des ateliers ou des trucs comme ça qui vont permettre aux jeunes de s'immiscer dans la vie vitrolaise et tout ça. Donc après, je pense que. Ça reste aux jeunes qui habitent à côté ou de Vitrolles d'essayer de faire avec. Et en plus, ils vont l'implanter au plein et tout. Moi, je pense que ça va peut-être intéresser les jeunes. De toute façon, il y a juste un argument qui va intéresser les jeunes à venir. C'est, j'ai entendu, il y aura Xbox One PS4. C'est ce que j'ai entendu, moi. Après. Ça va. C'est que voilà, ça attire les gens. Genre, ça va ramener FIFA et tout, genre les après-midi FIFA et tout. Après, aussi, il faut que les jeunes respectent. Faut voilà, qu'ils respectent ça, le matériel, faut qu'ils respectent ça aussi. Respecter le matériel, faut qu'ils s'y intéressent. Faut qu'ils s'y intéressent parce que. T'es en train de me dire que s'il n'y a pas de PS4 Xbox One, ça, la médiathèque elle sert à rien. Ça veut dire que la médiathèque elle sert à rien. Il y aura des ordi dans ce cas-là. Ça veut dire que les jeunes ils ont pas vraiment envie de culture. Tu vois, faut que les jeunes ils se prêtent au jeu. Parce que là la mairie elle fait un effort pour les jeunes. Elle fait un effort de dingue. Moi je vois c'est un effort de dingue. Franchement au niveau du bâtiment elle est magnifique. Infrastructure, ça a l'air les infrastructures elles ont l'air vraiment belles, tu vois. Et il est pas fini encore. Il est pas fini. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est magnifique rien que. Faut que les jeunes ils se prêtent au jeu. Oh, si tu me dis qu'il n'y a pas Xbox One, il n'y a pas de PS4 donc je viens pas, alors ça ne sert à rien. Les parents et tout, ils se prêtent au jeu aussi. Non, franchement, je pense que les jeunes, ça dépend. Hein. Il y en a qui aiment lire, hein, des jeunes, même des jeunes de partout, il y en a qui aiment lire. La majorité, il faut d'évoluer, en fait, d'évoluer et de rester dans son temps. C'est pour ça que c'est une médiathèque. Moi, franchement, sur les goûts des jeunes, je pense que c'est une question assez délicate.
Oui, parce que je trouve clair, que ça. En général, il n'y aura pas que des livres, il n'y aura pas que des jeux vidéo. Ce qui peut attirer, ce qui peut attirer aussi, il y aura peut-être des films qui vont attirer ou pas. Non, oui, en fait, tout dépend des CD, tout dépend genre. Des services que propose. La médiathèque. Si par exemple, il y a une séance cinéma et après on discute sur le film, ça peut intéresser les jeunes. Si moi, y a... Comme ce qu'ils font à la bibliothèque. Moi, je pense que ça peut être un rassemblement. S'il y a des interventions de. Comme ce qu'ils font à la bibliothèque de la preschool, quand des fois. Il y a des débats, on va avoir un film par exemple aux Lumières, après on se retrouve tous à la bibliothèque de la preschool pour en débattre et tout. Ça peut être un grand lieu de rassemblement culturel de la ville, voilà, c'est, ouais, genre si... c'est vraiment, après, parce que, après je crois qu'ils vont faire une grande place, ça peut être un lieu de rassemblement où il y a tout le monde qui vient par exemple discuter, parler, s'instruire ou même... Après à mon avis ça reste aux écoles de... Aux écoles, au lycée et au collège, de diffuser, de faire par exemple des sorties pour aller à la bibliothèque, faut que tout le monde pour leur montrer que ça peut être un endroit où on peut partager. Non, mais là, tu penses aux familles, t'imagines, le procès il a duré quoi, 8 ans? Mais on le dit pas parce qu'ils contrôlent pas dans ces endroits-là. Et donc voilà, c'est un peu de l'acharnement sur les banlieues.